Tu préfères avoir une grosse merde bien visible sur ton tapis ou une grosse merde bien visible dans la pelouse. Ou une, secrète. Ou une petite merde bien cachée, parce que ce fils de pute de chien, il va aller la cacher sous une chaise ou autre chose, et tu l'auras pas tout de suite, et du coup ça va schlinguer pendant 2 jours. Ça va, hein. Ah oui, c'est le vécu, putain. Ça me pue la mort. En plus, ce connard de chien, il allait chez où? Dans la salle à manger, là où il y avait mon bureau pour jouer, quoi. Alors je te dis pas, arrêtez de rigoler. J'imagine bien le chien qui va chier dans le PC, derrière un raccoin. Surtout que ce connard de chien, tu vois, moi j'avais un bureau à roulettes. Et alors, derrière, il était pas collé contre le mur, et vu que c'est des chihuahuas, il pouvait passer. Bah, ce fils de pute, il allait chier derrière le bureau, et je l'ai pas vu pendant une semaine, et ça schlinguait de ouf. Pas de question, il cherchait pas. J'étais là. Lui sa gloire. Piece of shit, la paix de la merde. Ouais. Yes. Mais qui couille, putain. Peace and love, en fait, peace and shit. C'est une technique, c'est tu l'insultes mais tu mets un truc gentil dedans. Comme ça le mec il se doute pas. Non mais il va juste croire que il est très... C'est ça, non. Oh, attends, viens. Ben gros, le sucré salé c'est dégueulasse, hein. Oh, vous êtes insane. La pizza pêcheur de demi. Puis vous dites t'aimes rien à Kikou, Youssef, et il mange n'importe quoi, il trempe ses oignons frits dans son yaourt. Les gars, au bout d'un moment, justement... le mec, tu lui donnerais de la merde avec une fleur, il la mangerait, donc bon, on peut pas comparer, quoi. Putain. Sucré, c'est... de gouffre. Le sucré... Ah oui. Chop, il me tape. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, il a flashé une. Mais... Allez, Kikouille. Allez, Kikouille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'on a fait, putain? We need to assess... Oula, t'entends, Perwang, le jeu. Voilà, le pro... Vas-y, cours maintenant. Cours pour ton cul. Perwang, oh là là, double dodge. Perwang, Perwang the god, il dodge. Enfin, il a rien dodge, mais hop. Alors... Attention, on a Darius the god maintenant. C'est parti, c'est pas fini. Attention, bam, double grab, hop, il laisse la Jinx tomber. Non, il revient quand même, c'est pas sympa, il a dit. Allez, ça fait un Q, ulti. Ça va pas Q comme il faut, mais c'est pas grave, attention, y'a Gaël, il est dans... Pendant ce temps-là, y'a Gaël qui s'est fait péter la gueule. Attention, ils sont plus comme back, qui arrive maintenant, c'est parti, y'a le Z, mais j'ai vachement peur de Z, il fait mal mon cul. Oh là là, le Lee Sin, c'est parti, double auto-attaque, quick max, qui me dit pap. And boum, 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 boum. Poum, j'en laisse, ce qu'il y a. Oh là là. Voilà. Dragon, il fait de la merde. Le mec, il est arrivé, ils avaient plus d'ulti ni rien, ils ont flash in. Ouais, moi je vous ai carré, ouais, les gars. Franchement, c'était compliqué, hein. Ouais, franchement. Le trash, il est en 0-2, ça là, il y a le père, qu'est-ce qu'il fait? On va acheter des Bobby Boots. On va courir vite, les gars. Oh, le père de Kikouille, c'est pas pour être méchant, mais c'est un beau sur 20, hein. Ta gueule, pourquoi ça m'a fumé des shorts, ta mère, vouloir aller à son mariage en shorts, excuse-moi, hein. Mais il voulait pas mettre un short, je t'ai dit ça comme ça, mais c'est... il voulait mettre un bermuda. Non, mais il voulait pas les pantalons, il est en bermuda et en tongs. Le mec, mais gros, quand il gèle à moins 20, il est en short dehors. Le mec qui vient en moule beat au mariage, salut. En jogging. Avec la bière, c'est ici le mariage, c'est le mien, oh, merde. Je suis jaloux, c'est tout. Hello, tu passes quand même de 7-0 à 9-8. Ah bah ouais, regarde, oh, je me fais niquer par tout le monde, tête de con. Mais comment t'as fait? Parce qu'ils sont arrivés à 4 en permanence. Oh, ça c'est pas une excuse, ça. Ah ouais, c'est pas une excuse, regarde Pépé, lave-la ton excuse. Oui, ça c'est une bonne excuse, ça. C'est vrai que Pépé, il a fait perdre la game. Validé, ça c'est validé. 100%, 100% ça passe. 100% pur beurre, ça, la Ramika dans ton cul. Hein. Quoi? Et tu parles de quoi, toi? L'autre, il fait une recette de gâteau. Ouais, alors, ouais, les œufs et la farine, on mélange le tout. Et hop, ah bon, tu laisses monter la pâte. Et hop, ça fait un steak. Quoi? Oui, un steak. Et putain, mais... Mec, la
sauté. Celle-là, elle est réussie, non? Elle a sauté. Elle a sauté au-dessus de la rocade, ça a pas marché. T'as vu ce qu'il a écrit FR Core, gros? J'avais un chihuahua, il m'a bouffé une couille pendant que je dormais. Ouais, j'ai vu que... Mais du coup... Hein, t'as une vie de merde? Pourquoi ouais, t'es pas bien. Venu en cours aujourd'hui, Dimitri? Par contre... Ben, c'est pas dire que... par contre, ce que j'imaginais, c'est vraiment le petit chien en train de tirer sur la couille en mode... Non, à mon avis, mec, les dents traversent, c'est vraiment en plein milieu de la nuit. 500 euros pour se faire bouffer une couille, c'est rentable. Pourquoi t'as pas eu une star qui couille? Je sais pas, parce qu'il peut me repousser, et du coup que ça sert à rien. Ah! Y'a Despot, des dictateurs, magnifique d'un manipulateur. Déjà, restauration, même oiseau. Oh, les gars, on va t'aider une année! Puis je regarde top play, une autre il fait un Q-ulti, il tue. J'ai Zonia au moment... Fait tour, elle fait chance, en fait j'ai Zonia au moment où la Diana elle m'a dégagé dessus donc elle a fait... Shit. Putain il y a eu le heal juste après. Ça c'est pas du jeu. Lame des cartes. Ta gueule. Oh. Yugi. Mon smiley. Youssef, je te conseille d'acheter le Zonia en premier contre moi car Z ça pique, mais je vais te péter la gueule. Morello, je peux pas écouter, il a dit en fait, j'ai pas écouté. Tu dois acheter l'orbe à la con là pour le Morello justement. T'es sûr, c'est pas la trappe sort qui m'a je dit. Je sais pas, tu vas là-dedans, tu t'orbes orbe à la con et oh putain, elle y est. Allez, ah, c'est vendu. C'est toi que je veux ulti, hein. Ouais, vas-y, essaye seulement. Oh merde. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez. J'ai fait un E, j'ai fait un E, un O et un Z, mais j'ai pas pressé R. J'ai le fait... caillou bon, roule dessus. Bon, ça va y aller. Bon, j'ai... En vrai, j'allais dire, je suis un peu tanky, hein. J'ai quand même 2800 HP, mais tu m'as quasiment tout enlevé. J'ai perdu combien en fait? 583. J'ai perdu, Yoni. J'ai perdu 400 HP de la boule de neige. T'as mis une brique dedans ou quoi? C'est quoi cette merde? La boule de neige, elle a fait 16% de dégâts. Elle est en plomb, moi, la boule de neige. Bon bah, leur botlane a décidé que... Bah écoutez, ma foi... C'est bon bah... Mais quand je vous dis que leur botlane elle reste qu'en botlane. Même non, quand... Non, tu l'as Caitlyn de la game hier. J'adore cette game. J'adore cette victoire. Ta gueule. 100% avec le KDO que je me tape maintenant, je vais commencer à gagner que JLP. Yes. It was a really good... game and I carry the team. J'ai envie de te mettre des petites claques des fois. Là tu vois là y a la veine frontale de Vayne qui vient de péter tellement qu'il y a tellement qu'il doit être fâcheux. Good game. Y a de la fumée qui sort de ses oreilles en mode capture. Bon, pas content. Mets de la pression, Kikouy, à Maston, je suis mort. Tiens, v'là une bière. Mais non, pas ce genre de pression, gros con. Sans mousse. Vous voulez une 33? Il n'y a plus de mousse. C'est hein. Déshydraté, là. Mets de la pression, une 33, une 25, une demi. Le mec, il est avec les tonneaux de Kraga, ça va bien quand ça va taper. Ouais, j'ai une idée des supports, mais j'aime pas ça. Tellement mal de switcher d'un AD sur un AP pour les auto-attaques. Ah putain, si j'avais su qu'elle allait toucher ça. Ouah, elle est trop agressive, mais... Ok. Mais mec, elle te... Elle me fait... elle est... Elle, est... Te fait... elle te fait flipper en vrai, Tanivine. Elle est dark et vénère, gros. À mon avis, c'est un connard qui a dû perdre ses ranked. Oh, par contre, j'ai vraiment pas de bol.
Elle y va, hein. Bah les couilles, gros. Elle est trop vénère, la Nidalee. Mais c'est le nu... Ah, mais c'est le nunu. Mais nunu, mais... Nunu, reviens. Nunu, nunu. Ah, elle s'est fait... Ah, elle est pas morte, mais regarde là. Attends, on peut arranger ça. Selon mes estimations de savant fou, elle va back juste... Attends, elle back là. Non, TF dans le bush, le TF dans le bush. Non, 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 c'est bon. Normalement, elle back en plein milieu. Voilà. Wow. Wow. C'est la première fois que je te vois toucher vite. Ta gueule. Wow, c'est la première fois que tu touches une ulti. Enculé. Bah pardon, désolé. Mais putain, mais Nidalee, elle a été tuée le jungle. Oh. Dark Evener. Je suis pas prêt pour cette game. Je sens PP. Mais gros, tu l'as décé aussi. Mais elle tue tout le monde. Bon bah. Mais Nunu, il faisait pas ça. C'est un warrior, ce perso. C'est pas possible. Moi, je peux l'ouvrir. Attends, c'est quoi les dégâts? Me dis pas qu'elle est première, parce que sinon je pète un... Mais non. Ah si. Mais non. Si, si. Mais la... Moi, je suis plus haut. T'es deuxième, toi. Attends, mais lui, le deuxième, il met pas de tonneau, mais il est ta mère, je comprends rien à ce jeu, moi, j'en ai marre. Non mais la Nidalee, mec. Ah non, ça va pas aller. Il y a mon super, il est top damage, il est S+. C'est Nidalee le super. Mais oui. C'est bien ce que je me disais, c'est Nidalee le super. Pendant d'habitude, les chiens chez nous, ils montent. Il n'y a pas de barrière, ils peuvent monter à l'étage. Et maintenant, au shop, dès qu'il en voit en haut, il le met en haut de l'escalier, il fait un shoot. Et c'est ça. Ce connard, il avait chié dans ma chambre. Mais c'est pas un... C'était du parquet dans ma chambre. Et... Du coup, quand je me suis... quand je me suis levé, j'ai mis le pied dedans et je me suis étalé par terre. Déjà que j'étais en retard pour aller bosser. Oh, le réveil. Oh non, tu l'es dans la merde. Alors tu dis à ton patron, pourquoi t'es en retard? Bah écoutez, j'ai marché dans une merde et je me suis étalé. Mais moi j'imagine trop le mec, tu vois, il marche dans la merde, il s'y relève et du coup il va nettoyer son pied, mais du coup il y a une trace de merde qui part de sa chambre jusqu'aux toilettes. Ah putain, c'était insane. Non, et puis t'as surtout le chien dans le couloir qui le regarde en mode bien fait pour ta gueule. Ah non, mais ce chien là, putain, ah, c'était un cancer, quoi. Ah.